Bonjour et merci pour ta présence. Peux-tu me dire qui es-tu? Bonjour Alexis, bonjour à tous. Moi c'est Alban, j'ai 34 ans. J'habite dans un tout petit village dans la campagne ardéchoise, idéal pour la pratique du sport outdoor. Quelle discipline pratiques-tu en ce moment? Donc je pratique le triathlon, l'ultra trail et l'ultra marathon sur route. Je suis un peu touche à tout en termes de longue distance dans ces trois disciplines. Et avant, tu pratiquais quoi comme activité sportive? Dans un passé un peu plus lointain, j'étais pongiste. Je pratiquais donc le tennis de table en compétition. Pour quelle raison as-tu commencé l'ultra trail? Pour le défi à la base, prouver à moi-même de quoi j'étais capable sur des épreuves qui me semblaient inatteignables, voir si mon physique et mon mental allaient réussir à passer ce genre d'épreuve. Tu as fait cet été un ultra trail phénoménal. Ma course phare donc de l'année dernière, ça a été l'Ultra Ardèche, 222 km et près de 4000 mètres de dénivelé positif, uniquement sur route, une course mondialement reconnue avec énormément d'étrangers au départ. Quel a été ton résultat? J'ai été finisher en 35 heures l'année dernière, donc j'ai battu mon meilleur temps de 1 heure par rapport à 2022. Durant tout le temps de cette épreuve, à quoi penses-tu? On pense à beaucoup de choses durant ce genre d'épreuve. C'est les montagnes russes au niveau des émotions. Il y a des moments d'euphorie, des moments de doute, de la joie immense bien sûr, de la tristesse, de la douleur, du plaisir. On passe vraiment par tous les sentiments qui sont possibles. Combien d'heures d'entraînement par semaine as-tu fait pour préparer cette épreuve? En grosse phase de charge, je m'entraîne entre 17 et 20 heures semaine avec beaucoup d'entraînement croisé, course à pied et vélo. Quel est selon toi le secret pour concilier sport et famille? Pas de secret pour concilier sport et famille. Il faut que ça soit un tout. Et il faut que la famille suive et adhère au projet. Il faut également savoir faire des concessions. Souvent, je vais courir très tôt le matin car tout le monde dort encore. As-tu une défaillance où tout s'est bien déroulé physiquement et mentalement? J'ai connu un gros pépin physique même cette année lors de l'Ultra Ardèche. Je revenais juste d'une périostite qui m'avait mis à l'arrêt 2 mois et mon genou a pas aimé les longues heures sur le bitume. J'ai eu une énorme inflammation au genou. On faisait plus à distinction entre mon genou et ma cuisse. C'était très douloureux dans les descentes. As-tu une envie d'abandon? L'envie d'abandon, bien sûr qu'on y pense. Et dans ce moment-là, on est souvent soutenu par notre accompagnateur, en l'occurrence moi mon accompagnatrice. Et on repense aussi aux nombreuses heures d'entraînement, aux sacrifices qu'on a fait, et puis l'envie d'arriver au bout, le bonheur que ça sera une fois qu'on aura franchi la ligne. Le matériel doit être important, non? Le matériel est assez important, effectivement. Il faut trouver la bonne chaussure qui nous va, qui ne nous crée pas d'ampoule, qui est assez confortable. Également, on n'y pense pas souvent, mais également le bon short et le bon t-shirt, pas d'irritation, etc. Car sur des épreuves au long cours, comme ça peut très vite devenir très pénible. Penses-tu pouvoir continuer ce type d'épreuve longtemps? J'espère continuer le plus longtemps possible, tant que tous les feux sont au vert, tant que j'arrive à concilier vie de famille, le sport, le boulot et que mon corps est ok, j'espère le plus longtemps possible. Que prépares-tu encore comme épreuve inimaginable? Écoute, je remets le couvert en 2024 sur l'Ultra Ardèche. Je défendrai 2 mois avant mon titre sur le 100 km d'Ardèche. Donc j'espère atteindre la barre des 8 heures. Très ambitieux pour moi, à mon niveau. On verra bien comment ça se passe. Et si le tirage au sort m'est favorable, eh ben écoute, j'espère en octobre participer donc au Spartathlon, la grande messe internationale de l'ultra-marathon. Un conseil à donner pour celles et ceux qui veulent faire ce type de challenge? Un conseil, si certains veulent se lancer là-dedans, déjà avoir envie, pratiquer avec plaisir, et bien sûr être rigoureux sur les entraînements, rigoureux un peu sur la nutrition autant que faire se peut. Mais vraiment, le premier conseil que j'ai, c'est avoir envie et se faire plaisir. Sans plaisir ou sans envie, on peut pas se forcer sur de longues épreuves comme ça. Bravo et merci pour ta disponibilité.